maison du lac était fissurée. Les marmots avaient fait entrer le lac, mais l'eau ne circulait pas. Elle était piégée, stagnante, croupie. On contrôlait la vérité. L'art n'était pas là. L'eau gouttait du plafond tandis que Diana observait le tas de dossiers sur son bureau. Chacun était une branche de recherche. Ploc. Certains étaient fins, d'autres épais. Ça représentait des années de sa vie. Son travail, à disséquer l'art de la création et à examiner ses foutues œuvres. C'était son idée de prendre des sujets vivants. Ploc. Les pontes du bureau avaient refusé. Mais quand le QG avait été bouclé, elle avait profité du chaos pour prendre des artistes. Jules s'était plaint de la mauvaise pub. Elle l'avait ignoré. Maintenant, dans son bureau, sous le niveau de l'eau de Cauldron Lake, elle réfléchissait à la suite. Jules était sûr que la page trouvée se réaliserait. Elle annonçait le chaos. Une situation hors de contrôle. Impossible. Diana était toujours dans le contrôle. Ploc. Ploc. Elle voulait des réponses. Elle voulait quantifier, définir, contrôler. Mars 2018. Note concernant le docteur Jules Arkane. L'équipe de Jules a trouvé d'autres pages écrites par Wake. Il a dû reprendre la peinture de Rudolf Lane. Sa méthodologie merdique ne doit pas produire de résultats avant la mienne. Je dois accélérer, peu importe le prix. On est en retard sur les prévisions. Plus les machines produiront, plus on pourra les adapter au style de Wake. Mais un bon étalonnage requiert un tas de matériaux bruts et la production est lente. Non, non. On change de direction. L'hypothèse, quant à elle, reste la même. En imitant le style de Wake, nous devrions générer de l'art capable de se lier à l'entrée. Le cobaye doit imiter le style de Wake encore plus vite. Il est possible d'étalonner les gens comme des machines. Il faut juste savoir sur quel bouton appuyer.
seuls deux. Il paraît qu'à quelque chose, malheur est bon. Moi, c'est ce que dit le proverbe. Lane n'est plus de ce monde. Mais il nous a laissé un cadeau d'adieu. Une dernière œuvre d'art. Cette création est un peu différente. Pleine d'émotions brutes, vraiment sincères, et on peut même dire qu'il y a mis toute son âme, littéralement. Tous les relevés qu'on fait sont incroyables. C'est exactement ce qu'on attendait. C'est ça la clé. Je vais accomplir ce que personne n'a pu faire. Ni Darling, ce putain de frimeur, ni Diana, ma sale égoïste de femme. Donc, on a un peintre et une peinture qui peut parler. C'est clairement lié. Mais Lane était mort avant que toutes ces choses n'arrivent. Je n'ai jamais eu besoin d'eux. Ces crétins vont enfin devoir reconnaître mon génie.
docteur Marmont détenait un peintre ici. Rudolf Lane. Ça vous dit quelque chose? C'est l'esquisse d'un homme! Je crois que vous êtes... ou étiez... Rudolf Lane. Lui-même! Un autoportrait pour qu'il voit! Bon, je devrais pouvoir vous aider. Mais j'ai besoin d'informations, de coopération. Pas de pinceau, juste lui-même! Rudolf Lane était mourant. À la fois assassin et victime. Du rouge gouttait de ses mains. Était-il écarlate? Ou carmin? Trop vif pour être Bordeaux. Peu importe les noms, décida-t-il. La couleur était pure. Inspirante. Pour la première fois depuis des années, il voulait juste peindre. Un autoportrait. Pour dire adieu. Non. Pour qu'ils se souviennent. Pour qu'ils voient ce qu'ils avaient fait. Il plaqua ses mains sur le mur pour trouver l'équilibre. Il commença par là. Pas de pinceau. Juste lui. Les mouvements étaient bruts. Violents. La douleur. La détresse et la haine qu'il avait subie ici. Le feu dans ses yeux, ses mains, ses os, tout devenait l'esquisse. D'un homme. Ce fut rapide. Naturel. Comme une crise cardiaque. Il s'effondra sur le sol, souriant devant la colère qu'il avait étalée sur le mur.